souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Et donc, salut à tous, c'est trop forestier aujourd'hui. On va faire une petite vidéo sur, bon pour finir j'ai eu le temps, sur le sifflet Quechua, donc de la marque Decathlon. Donc, et du Fire Steel Quechua également, de la marque Decathlon. Voilà, donc ces deux produits sont celui-là dans les 5 euros je crois, 6-5 euros, et celui-là dans les 5-6 euros aussi. Donc j'ai fait exprès de prendre deux produits à peu près de la même, déjà de la même marque, et du même prix, comme ça on est tranquille. Le Fire Steel, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à allumer un feu avec des étincelles. Je vais vous faire une petite démo. Si j'arrive à poser la caméra. Là, donc je vais pas le faire sur la caméra, mais je vais le faire là, ici, voilà. Donc vous prenez le grattoir, ça c'est un grattoir en acier trempé, et ça c'est une pierre à feu, voilà. Donc j'ai encore mal de la brûlure de tout à l'heure. Vous inquiétez pas, là je le fais sur de la mousse, ça craint rien parce qu'elle est gorgée d'eau. Voilà, ça sert à faire des étincelles, donc des étincelles jusqu'à 3000 degrés. Et qui sont projetés à je sais plus combien de mètres, je regarde hein. À peu près 1 mètre, mais presque, je sais plus si combien, c'était marqué dans mon livre. Voilà, après ça c'est un sifflet de survie, donc le sifflet est juste là, mais ce qu'il faut savoir c'est que le sifflet de survie là comprend en tout, en comptant le sifflet, 4 accessoires, un thermomètre qui peut aller jusqu'à 50 degrés, donc c'est plutôt pas mal hein. Je pense que je l'atteindrai jamais, 50 degrés hein, à moins que je le foute dans le feu, mais ça m'arrivera jamais. Une petite boussole qui marche d'ailleurs très très bien, même si elle est petite. Le plus souvent on trouve des boussoles toutes petites qui marchent pas du tout, c'est de la vraie daube. N'achetez presque, enfin sauf si c'est un couteau vraiment d'une bonne marque et qui coûte assez cher pour avoir une boussole intégrée, achetez-le. Mais si c'est un couteau qui coûte 5 euros avec une boussole intégrée, c'est de la merde, n'achetez pas. Donc voilà, donc c'est une boussole, donc nord, ouest, est, sud, voilà. Avec un sifflet, juste là, et un sifflet sans billes. Comme ça, si jamais, attends, je vais reprendre la caméra, il neige ou enfin, il gèle, la bille qui sera à l'intérieur du sifflet, comme les sifflets par exemple de foot, ne sera pas coincée à l'intérieur. Donc c'est plutôt pratique. Et le sifflet là comprend aussi une loupe qui est sur le côté, là j'essaye de la sortir. C'est un peu chaud, il y a beaucoup de critiques sur la loupe là. Non je déconne, mais moi j'ai critiqué beaucoup la loupe là parce que c'est chaud à sortir, mais après c'est super bien fait parce que tout est compressé, tous les accessoires sur un petit truc comme ça, c'est tout con, mais c'est génial quoi. Donc une petite loupe, attention, l'espèce de bracelet de survie tout pourri que j'ai fait en corde de lin à l'arrière, c'est pas donné dedans. Par contre, le petit truc là, c'est donné dedans. Voilà, l'accroche là, donné dedans. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était pas assez long, et quand je le mettais sur juste là, je sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà, ici. Sur les crochets là, et ben pour siffler il fallait que je me torde la nuque, alors que là avec ce que j'ai rajouté comme corde, et ben c'est bien plus facile de siffler sans se faire mal au cou. Voilà, donc on va tester différentes choses sur le sifflet là. Déjà vous pouvez voir que c'est je sais plus c'est combien de décibels hein, je me suis pas trop renseigné, excusez moi donc j'ai dû saturer le micro là pendant quelques secondes. C'est vraiment violent comme sifflet. Là, j'ai pas sifflé à fond encore une fois parce que j'ai peur d'attirer des gens parce qu'il y a des bûcherons pas loin. Après, la boussole, on va la tester comparée à celle-là, donc pour voir. Donc regardez. Donc c'est une boussole à eau. Hein. C'est pas une boussole donc, comme vous pouvez le voir. Bon, si c'est, enfin, c'est de l'eau à l'intérieur. Voilà. Enfin de l'eau. En tout cas, un liquide. Hein, voilà. Il y a un liquide à l'intérieur pour faire l'étanchéité, enfin pas l'étanchéité, mais pour que ça marche. Voilà. Donc, celle-là, c'est une boussole de chez Nature et Découverte. Si vous voulez voir, je l'ai montré dans la vidéo de la rando d'aujourd'hui. Donc, vous irez voir. Rando numéro 1, hashtag 1. Donc, c'est une boussole qui reprend un peu la gamme des boussoles américaines. Donc là,
J'essaie de me mettre sans lumière. Voilà. J'essaie d'être droit parce que... Ça... Ah putain. Bon. Excusez-moi pour les gros mots. Ah voilà. Donc le nord est vers là-bas. Le sud derrière. Je vais vous donner le vomi comme ça. Alors donc là-bas l'est. Nord, ouest. Bon bref, je pense que vous connaissez un peu la géographie. Voilà. Le nord est par là-bas. Donc on va mettre... Le Fire Steel pour donner. Voilà, le nord est par là-bas. Si on met l'autre boussole juste à côté, donc le nord, c'est la petite flèche qui est juste là. Voilà. Voilà, la petite flèche qui est juste là. C'est le nord. Donc, elle indique à peu près la même chose. Hein. C'est par là-bas, quoi. C'est pas très très précis, hein, c'est sûr. Moins précis que la boussole là. À moins que ce soit celle-là que j'ai mal. Ah, donc le nord est par là-bas. Donc c'est une bonne boussole, elle marche. Donc je vous conseille d'acheter la boussole là parce que c'est vraiment très utile. Si jamais un jour vous êtes en panne, bah, la boussole là par exemple, si jamais ma boussole là est pétée, là c'est toujours pratique. Puis celle-là elle est toujours rangée dans le sac alors que celle-là est toujours à disposition. Elle est toujours sur mon sac à l'extérieur. Le thermomètre, je sais pas si on peut vraiment lui faire confiance. Hein. J'ai jamais trop testé, mais je pense que c'est plutôt efficace comme. J'aurais pas dû autant zoomer là. Voilà. Voilà, donc il y a jusque 50. Comme vous pouvez le voir, jusque 50 degrés. Là, il fait. Ouh! What the fuck? Ah, parce qu'il est dans ma main, je pense. Ouais, c'est. Ah non, il fait 15, même pas 13, 14, un truc dans le genre. Voilà, donc c'est plutôt bien comme thermomètre parce que le plus souvent, quand vous êtes le soir, tout ça, vous avez envie de savoir quelle température il fait, voilà. Même parce que le thermomètre, c'est pas indispensable, mais pareil pour la loupe. La loupe, ouais, je trouve pas trop d'intérêt à ça, mais après, ça peut toujours servir, on sait jamais. Voilà, donc je vous conseille vraiment ces deux produits-là, ils sont vraiment... Pas celui-là, hein. Celui-là, vous pouvez aller voir chez Nature et Découverte si vous voulez. Je vous mettrai pas de lien parce que je sais plus s'ils le vendent. Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai acheté. En plus, je l'ai acheté à Paris, donc je vous conseille vraiment ces deux produits-là parce qu'ils sont vraiment géniaux, mais c'est pas cher. Et puis, ils font toujours de la bonne qualité, Décathlon. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un com. Et j'espère vous revoir à une prochaine vidéo. Tchuss !